Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Au Moyen-Âge, on mangeait beaucoup de ce qu'on peut appeler des variétés anciennes actuellement, telles que les choux, les poireaux, les légumes feuilles, tels que la roche, quelques légumineuses, la fève, la mongette. Le panais était déjà connu à l'époque du fameux chou maritime, qui est considéré comme l'ancêtre de tous les choux. Ensuite, on n'a pas de référence exacte sur les variétés de choux du Moyen-Âge. Ça s'est perdu un peu au fil de l'histoire. On pense que c'était des choux très rustiques et on peut avoir encore quelques références, notamment par rapport au fameux, si les gens le connaissent, ce fameux chou de Saint-Saëns, qui est une de nos plus anciennes variétés. Mais c'est nous, dans le potager, le choix qu'on a fait, il est quand même arbitraire, dans le sens où on a très peu dans les archives de références sur les variétés exactes. Les classes, je dirais, inférieures, notamment paysannes, mangeaient tout ce qui était légumes racines, et qui était considéré par la noblesse comme des impropres. Les nobles, eux, par contre, mangeaient les légumes ou les parties aériennes. C'était essentiellement lié aussi à la religion. Le fait de manger la partie aérienne pouvait représenter la partie qui se trouvait le plus près de Dieu. La sauge clarée a été mangée par les nobles et qui accompagnait notamment les viandes pour masquer le goût un peu faisandé des viandes.